Good morgen, allez, Iden, les tuyaux aujourd'hui, les Lunishmat, Marlouf, Micha, Ben, Oso, Darif, Kabat, Levi, Itzrak, Dove, Nuzit. Si vous savez, vous savez, une prochaine étude de Micha, quand il était 5 minutes éternelles. Et nous entrons aujourd'hui dans la dernière ligne droite avant la fin du Seder, Kochim, Bezrat Hashem, Perek Gimel de Masechet Kinim, Mishnah Aleph, Bamedvarim, Amurim, Bekohen, Nimlach, Aval, Bekohen, Shen, Onimlach, Achat, Lezou, Vachat, Lezou, Shtaim, Lezou, Shtaim, Lezou, Shalosh, Lezou, Shalosh, Lezou, Asakulan, Le Mala, Merza Kacher, ou Merza Pasoul. Kulan le mata, merza kasher ou merza pasoul. Chetziam le mala, ve chetziam le mata. Et chele mala, merza kasher ou merza pasoul. Et chele mata, merza kasher ou merza pasoul. Une courte petite introduction d'abord sur les trois premières Mishnayot qui vont concerner, qui vont tourner autour du même sujet sous plusieurs aspects. Le principe, il est de. La première phrase me dit directement Bamid varimurim, dans quel cas ça a été dit? C'est-à-dire qu'on apprenait dans le Perek. Depuis le Perek Aleph, Perek Bet, mais surtout par rapport au Perek Aleph, c'était plus général. Et on apprenait les grandes règles. Comment sauver le maximum d'oiseaux de la manière la plus optimale, sans faire de Averot, en faisant un bon corban à sa place. On avait appris, par exemple, un cas où il y avait trois paires d'oiseaux qui se mélangent avec trois paires d'oiseaux. Voilà, un cas simple. La règle me disait, ben maintenant tu as trois paires, ça veut dire que tu as en tout. Quand tu as trois paires, tu as trois chata, trois ola. Quand ça se mélange avec trois paires, ça fait trois chata, trois ola. La règle, elle me disait, ben, tu sais quoi, tu vas pouvoir faire que 3 khatat et 3 ola. D'accord? Selon le principe que tu dois avoir le bénéfice du doute à chaque fois, tu prends un oiseau, tu dis, bon, de deux choses l'une, soit il appartient à un sous-groupe, soit il appartient à un sous-groupe, je le désigne en ce moment khatat. Tac. 1, 2, 3. Quatrième, tu ne peux plus prendre un khatat. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu es en train de prendre l'âme sœur, que tu as tiré les 3 du premier groupe, et la quatrième est encore du premier groupe. D'accord? De ce fait, tu ne pourras plus le faire khatat, mais tu pourras le faire ola. Et tu prendras 3 ola, et puis après c'est tout, les 6 autres, tu les laisses mourir de faim. C'est ce que la Mishnah a enseigné. Donc on fera 3 ratat, 3 ola. Maintenant, tout ça, ça a été dit quand? Bah, mes devrim, mon quand ces choses-là ont-elles été dites? J'ai un bon Kohen discipliné. Mais Kohen nimlach. J'ai un Kohen qui vient se concerter, qui te demande est-ce qu'il a bien fait ou il a pas, et comment il doit faire, comment il doit procéder. Aval, be Kohen shenon nimlach. Par contre, si tu as affaire à un Kohen qui se concerte pas, et qui saute directement, qui fait les choses, il prend sa propre initiative, il dit bon. J'ai mélangé les oiseaux, je vais me faire crier par mon supérieur, peu importe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'initiative de trancher ça à sa manière, comme ce qu'on va voir. Alors la Mishnah me dit, ben, qu'il y avait achat les oiseaux, achat les oiseaux. S'il y avait une paire à l'une et une paire à l'autre, donc ça faisait 4 oiseaux. Shtaim les oiseaux, shtaim les oiseaux, 2 paires à l'une, 2 paires à l'autre. Donc ça fait en tout 4 oiseaux pour chacune, donc ça veut dire il y a 8 oiseaux mélangés. Shalosh les oiseaux, shalosh les oiseaux, 3 oiseaux pour l'une, 3 paires d'oiseaux pour l'une, 3 paires d'oiseaux pour l'autre. Il y avait deux femmes, Rachel et Léa, chacune elle avait 3 paires, parce qu'elle avait couché 3 fois, elle devait apporter Kinim, elle devait apporter donc 3 paires d'oiseaux, et l'autre elle devait apporter 3 paires d'oiseaux, pour le moment c'était chacune indéfinie, mais il y avait 3 ratatrois là, l'autre c'était aussi indéfini, 3 ratatrois là, tout s'est mélangé. Qu'est-ce qu'il fait ce Chacham? Il pose pas de questions, lui c'est le grand Chacham, il fait tout seul, et quoi? Asakulan le mala, il a fait tous les oiseaux en haut, tous en haut là. Réfléchissez tout seul. Et dites-moi ce que vous pensez, réfléchissez, qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? On a maintenant 6 paires d'oiseaux mélangés, donc ça fait 12 oiseaux, que, en théorie, on a 6 ola et 6 ratat. Seulement, comme quand on ne sait pas quoi faire, alors on doit faire 3 ratat et 3 ola uniquement. Lui, il est parti, il a fait tout en ola. Eh bien, une chose de sûre, vous pouvez le dire, qu'il y aura eu au moins 6 olot qui ont été validés, parce qu'il y en avait 6 ola et 6 qui devaient être ratat, et qu'il ne fallait pas les faire en haut, il les a fait en haut, c'est pas grave, tant pis, alors tant pis, il a fait une avéra, il n'avait pas le droit de faire un corban pas à sa place, mais en tout cas, par rapport aux 6 olot, il s'inquiétait des 6 olot, c'est ce que la Mishnah va m'enseigner exactement. Merza kasher, ou merza pasoul, la moitié est kasher, la moitié est validée, et ou merza pasoul, l'autre moitié est invalidée. Nachon, c'est logique. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait encore? Kulan lemata, il s'est dit, non, pas ola, faut les faire tous, hein. Les matan, en bas, tous en khatat. Même principe. Merza kasher, merza pasoul. La moitié sera kasher, l'autre moitié sera validée. La petite précision super importante. La moitié sera kasher, mais malgré tout, il n'y aura que 3 khatat qui seront mangés, tandis que 3 autres khatat ne seront pas mangés. Je l'ai vu marqué nulle part. Il y avait tellement de choses compliquées à expliquer qu'ils n'ont pas expliqué que ça aussi, mais en tout cas, c'est logique. Je vous explique, c'est très simple. Lorsqu'on a un mélange de. On va prendre, il a décidé maintenant, lui, de faire les 12 ratat. Alors qu'en théorie, il y avait 6 ratat et 6 ola. Il va prendre un premier ratat. Lui, c'est un ratat vadaï.
Deuxième khatat, c'est un khatat vadaï. Soit Rachel, soit Léa, on ne sait pas qui c'est. Bon, en tout cas, le troisième khatat aussi, c'est un khatat vadaï. Mais quand il va commencer à arriver au quatrième oiseau, il ne peut plus être certain que c'est un khatat. Parce qu'il est possible que c'est devenu un oula. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en réalité, les trois premiers qu'il a tirés, ils appartenaient les trois à Rachel. Et le quatrième oiseau qui tire, il appartient encore à Rachel. Et s'il appartient à Rachel, donc c'est pas un khatat, ça doit être forcément un oula. Donc, parmi les six khatat, qu'en théorie, la mission enseigne que la moitié serait cachère en tant que khatat, mais attention, les kohanim ne pourront manger que trois khatat parmi les trois premières khatat, et pas plus. D'accord? C'est une petite parenthèse. Kulan le matan, az merza kacher ou merza pasul. La moitié sera kacher, l'autre moitié sera invalidée. Chetziam le mala ve chetziam le mata. Alors lui, ce kohen là, il s'est dit non, non, il ne faut pas faire que des khatat et que des hola. J'ai mélangé trois paires où il y avait trois khatat, trois hola. Avec trois paires où il y a trois khatat, trois hola. Donc ça fait en tout que maintenant j'ai 12 oiseaux. Je dis bon, je le coupe pour deux là, je vais faire 6 en haut et 6 en bas. 6 khatat et 6 hola. Qu'est-ce que vous lui dites dans un cas pareil? Faites le calcul tout seul et réfléchissez, c'est très simple. Il va monter maintenant avec 6 oiseaux en haut sur le misbéar. Parmi les 6 oiseaux, c'est vrai qu'il va y avoir, au pire, au mieux des cas d'abord. Il a réussi à piocher 3 à Rachel et 3 à Léa, donc il a 6 Ola, il a fait un sans faute. Ça, c'est s'il a eu du bol. Mais s'il n'a pas eu de chance, il s'est planté totalement. Alors quoi, au pire des cas, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Parce qu'il a pris les 6 oiseaux de Léa, il les a pris en haut, et les 6 oiseaux de Rachel, il les a pris, il les a fait en bas. Bon, ben d'accord. Alors quand il est parti faire les 6 oiseaux de Rachel en Ola en haut, il s'avère que finalement, il n'y avait pas 6, il n'y avait que 3 Ola. Donc il y a 3 cachers, 3 pasoul. Et quand après, il a pris les 6 oiseaux de Léa, il les a fait tous en bas. Et de nouveau, il n'y avait pas 3 khatat, il n'y en avait que 3. Eh ben c'est pas grave, alors il a fait 3 khatat. Donc ça veut dire qu'en fait, la moitié de ce qu'il a fait en haut, ce sera cachère, l'autre moitié invalidée, l'autre moitié, ce qu'il aura fait en bas, sera aussi moitié cachère et moitié invalidée. Et c'est exactement ce que la Mishnah enseigne, Nahon, que c'est facile. Regardez. Chetziam le mala ve chetziam le mata. La moitié en haut et la moitié en bas, il a coupé en deux. Et chez les mala, pour ceux qu'il a fait en haut en tant que hola, merza cachère ou merza pasoul, la moitié elle sera cachère, l'autre moitié elle sera invalidée. D'accord? Parce que c'est sûr qu'il va y avoir au moins trois hola, que quoi qu'il arrive, ils sont badaï. Les trois autres, peut-être que c'était des khatat, peut-être que c'était des hola, on ne pourra pas les valider. Il faudra que les femmes apportent d'autres commandes, on va expliquer comment exactement. Vechele mata, et ce qu'il a fait en bas, de nouveau, au mieux, il a fait 6 khatat. Puisqu'il ne sait pas ce qu'il a fait 6 khatat, peut-être que tous les oiseaux appartenaient à une même femme. Bon ben, il aura fait parmi les 6 qu'il y avait, il aura au moins 3 khatat. Donc de nouveau, merza kacher. Ou merza pasoul, la moitié sera validée, l'autre moitié sera validée. La prochaine Mishnah va continuer dans cette histoire en compliquant un petit peu, en disant qu'il y avait 1 avec 2, 2 avec 1 avec 3, avec 4. On expliquera Bezrat Hashem plus longuement. Une petite remarque quand même importante à préciser. Une chose que j'ai pas précisé depuis le début de ma Maseret, j'ai réalisé ça récemment, quoi. Chaque fois je me dis, bon, il faudrait que je le dise à l'occasion. C'est l'occasion de le dire. Quand, par exemple, on avait deux femmes qui avaient 3 khatat et 3 hola, trois paires qui sont mélangées avec trois paires. Donc chacune, elle va porter trois paires. Maintenant, dans le doute, tu vas me dire que la moitié sera cachère, l'autre moitié sera invalidée. Comment elles vont faire ensuite pour apporter la suite des corbanotes? C'est-à-dire, elle a couché trois fois et l'autre, elle a couché trois fois. Elles doivent apporter chacune trois paires d'oiseaux. Parmi les trois paires qu'elle a apportées, malheureusement, c'est mélangé, puis on va pouvoir apporter que la moitié en khatat, l'autre moitié en hola. On ne sait même pas qui sont les khatat et qui sont les hola. Comment on procède concrètement? Parmi ces 12 oiseaux, tu vas en faire que 6, 3 qui sont khatat, 3 qui sont hola. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Comment elle va emporter la suite? Alors en fait, ça se passe comme ça. Le Kohen, chaque fois qu'il va prendre un oiseau, il va dire, bon, il va désigner que c'est un khatat. Alors si c'est le khatat de Rachel, je le fais pour Rachel. Si c'est le khatat de Léa, je le fais pour Léa. Premier oiseau, deuxième oiseau, troisième oiseau. Idem avec la hola. Après, maintenant, chacune, il s'avère qu'on ne saura pas qui a fait les 3 corbanotes. Peut-être qu'elles ont fait 3 pour une et pas pour l'autre, 3 pour l'autre et pas pour l'une. Peut-être qu'il y en a eu 2 pour l'une et 1 pour l'autre, on n'en sait rien. Bien sur ça, on va leur demander maintenant de l'argent pour aller acheter 3 nouvelles paires d'oiseaux. Et on va aller acheter des oiseaux en désignant maintenant 3 khatat et 3 hola. Et à chaque fois, le Kohen, il va prendre à dire, si Rachel, elle n'avait pas encore apporté de khatat, ce sera le khatat de Rachel. Et si Rachel, elle a fini d'apporter ses khatat, ce sera le khatat de Léa. Et ainsi de suite, et comme ça, elles vont finir par s'acquitter du devoir d'apporter tous leurs korbanot. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout, c'est là.